Et bonjour à tous et bienvenue. Épisode 74 de Woz Bizarre d'Aventure. Je vais juste augmenter un petit peu le son pour moi. Voilà. Et donc, et ben voilà. Donc, j'ai fait les quêtes hors caméra, récupérer les. D'ailleurs, je vais les réafficher. Alors, il faut savoir qu'en fait, plusieurs, bien peut-être même 2 mois, s'est écoulé depuis le dernier épisode en fait. Parce que voilà, il s'est passé beaucoup de choses. On va faire le tour là-dessus avant de continuer. C'est cette quête-là. Et. Tac-tac-tac. Bon, il est quête plus loin, mais j'arrive pas à voir. Donc il y avait celle-là, la dissuasion. Salutations. Voilà, qu'on devait rendre. Donc j'ai une récompense, mais j'ai déjà mieux. Vous voyez, j'ai un équipement de taré. On va prendre le plus cher Ma toujours. vie pour le trône. Ah d'accord. Oh, attendez, excusez-moi. Voilà. D'accord, on récupère des. Ok. Zandalar, pour Oui, toujours. on a peut-être un tout petit problème, mais il ne nécessite pas l'attention du roi. Bon. Donc il y a ces deux personnes-là. Ok, Je vais donc. prévenir Zul. C'est lui qui décidera si on doit en parler à Rastakhan ou pas. C'est bon leur dialogue là? Bon. On va faire un petit peu le point. Avant d'aller rendre l'autre quête qui est un peu plus loin au port. Déjà, premièrement, vous pouvez voir à ma droite que j'ai beaucoup plus de montures. Alors, notamment, en fait, il y a le garde nocturne. Alors, le garde nocturne, c'est la monture que tout le monde s'arrache. Alors, c'est juste une monture terrestre qui est assez classe, qui est, voilà, qui est un loup, et qui se récupère à Draenor. Et, honnêtement, en farmant cette monture, parce qu'elle peut être farmée, on se fait des balls en or. Donc il y a celle-là, voilà. Et surtout, il y a celle-là. Voilà, qui est une monture. Donc c'est un mammouth. Et en fait, elle a la particularité d'avoir donc un Que marchand m'offrez-vous? à gauche, normal. Donc voilà, où on peut avoir des vivres. Alors mine de rien, c'est assez intéressant. Tiens d'ailleurs, hop, ça je peux le vendre. Et puis, je dis pas de bêtises, il y avait notamment une nourriture qui était, voilà, celle-là, le caribou arrosé d'hydromel. Je crois que c'est ça qui rapporte le plus de points de vie. Ou les givres, les chapes-givres aussi, ça rapporte à peu près le même nombre de points visiblement. Ben voilà, donc je peux avoir de la nourriture. Enchanté de vous rencontrer. Quand je veux ici, quoi. Et surtout, j'ai un Bon, j'ai réparateur. quelque chose qui vous intéresse? J'ai un réparateur, et ça, c'est le top, parce que je. Voilà, quoi, je peux lui vendre ma camelote, et il me répare automatiquement. Et en plus, il me vend du fil runique. Et le fil runique, pour la couture, c'est le top du top. Je me fais pareil, ma fortune vient quasiment de là. J'ai 362 000 en pognon. Ramenez vite! Voilà. Au niveau de mon personnage, voilà, je suis e-level 371. Donc j'ai beaucoup BG, j'ai beaucoup fait de BG. Les BG épiques maintenant fonctionnent, alors qu'avant ils galéraient à fond à fonctionner. Donc je jump assez rapidement. On fait le tour au point, mais surtout mon cœur d'Azeroth qui est au niveau 39. Donc ça voilà, ça c'est le top du top. Bon après voilà, j'ai quasiment tout l'équipement en fait du gladiateur sinistre. Donc il se récupère. Ce sont des récompenses de BG. Là j'ai. Mes prochains trucs, ce sont mes épaules et ma ceinture qu'il faut absolument que je change. Non. Pardon. Les épaules et les poignets qu'il faut absolument que je change. Parce que voilà, j'ai ça, j'ai le mantelet de plumes sordides là. Mais c'est pas top. La cape, c'est peut-être l'équipement le plus. Non, c'est le deuxième équipement le plus élevé que j'ai. Le drapé de défense vaillante. Alors ça, je ne l'ai pas eu en BG. Je l'ai acheté. Voilà, la robe, c'est le dernier équipement que j'ai débloqué en BG.
Donc ça, il est top, 390 aussi. Voilà, les poignées, je vous ai dit, il faut que je les change. Parce que, ouais, c'est du 360 quand même. C'est pas non plus dégueu, mais voilà. Les gants, pareil, du 360. Toc, toc. La corde. Alors la corde, c'est pas en BG, c'est en tuant un World Boss que je l'ai eu. Donc niveau d'objet 400 quand même. Voilà, les jambes, les mules. Les mules, pareil, que j'ai acheté, que je n'ai pas eu en BG. Après les bijoux, tout ça, c'est des drops de BG que j'ai eu. Et les bijoux, pareil. Enfin voilà, les anneaux et les bijoux, c'est les drops. Voilà, je passe rapidement dessus. Le réceptacle d'ombre, ça pareil, c'est un loot, mais il va falloir que je change parce que bon, 365, c'est pas ouf. Mais voilà. Donc, mais surtout, voilà, ça va être surtout les épaules qu'il faut que je change en priorité pour continuer à augmenter en e-level. Et enfin. Couture, la couture de Zandalar. Pour le moment, voilà, tout est en gris. Je suis à 150 sur 175 de couture. Et il faut absolument que je continue les quêtes en fait de Zandalar pour pouvoir accéder en fait à la suite pour que je puisse continuer ma couture en fait. Alors, attendez, je vais sortir de ma monture. Voilà. Donc, monture très sympa. Il y a une autre monture que je vais vous montrer après. Là, c'est la raie de la grand-mère, mais qui est une monture aquatique. Salutations, porte-parole de la Horde. Pour la Dame Noire. Ok, présentez-vous à Nathanos. Ok. Bah, c'est lui. Les Andalari ne me portent guère dans leur cœur. Ok, donc je récupère encore de la puissance, c'est cool. Tac, tac, tac. Dans les quartiers de la complainte de la Banshee, ok. Rendez-vous en constituer un groupe d'élite pour exécuter les ordres de la Dame Noire. Il est placé sous la responsabilité de Carona Mior. Qui comptera sur votre aide pour orchestrer ses missions. Héros, suivez-moi. Ouais, il se passe des trucs en cale. Ouais, alors c'était plus simple de passer par l'escalier, mais c'est pas grave. Ok. Quelle est votre cible? Faites-leur payer. Ok. Que la chasse commence. Ok, et donc ici j'ai des missions. Ok. Est-ce qu'avec mes 100... Alors avant tout de suite, voilà la suite. Est-ce qu'avec mes 100, je peux acheter la cage de guerre? Auroch ne faillira pas. Ah non, il me faut 600. Putain, il me faut 650 pour la cage de... Ah ouais, ok. Ok. Méfiez-vous des profondeurs de la terre. Alors, la suite des quêtes. Je regarde les quêtes qu'il y a encore à prendre, hein, parce que voilà. Donc, l'objectif, pour moi, c'est absolument... Attendez, que la je vous explique volonté du après. chef de guerre soit faite. Ma reine. Les préparatifs sont-ils terminés? Oui, madame. La complainte de la Banshee est prête à lever l'ancre à tout moment.
Parfait. Voyez avec notre héros pour déterminer où établir notre première tête de pont. Ah. À vos ordres, chef de guerre. Je compte sur vous. Tenez-moi informé de votre progression. Alors, j'ai une petite recherche à faire. Nous ne vous décevrons pas. Faites bon voyage, madame. Walden, c'est ça? Walden. Ben non. Ok, d'accord, attendez, alors. J'ai du mal à comprendre. Qu'Eternas, c'est là. Attendez. C'est pas là. C'est pas ce que je voulais. Je suis désolé, hein, là j'ai un. Voilà, c'est ça, Nas Jatar. C'est là qu'il faut que j'arrive à aller. Parce que tout ce que je débloque après, c'est à Nas Jatar. Donc, il faut que j'aille. M. Nas Jatar. D'accord, ok, donc ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport, c'est encore une autre île. Donc là, en soi. Bah, je sais pas. Alors on a le choix entre une vallée. Là on sait pas trop, mais ça a l'air d'être un petit peu désertique. Ou une forêt. On va prendre des plaines. J'ai demandé à Zari. Je mets en pause, je demande à Zari et je vous reprends. Ok, donc, hop, nous revoilà. Donc, après avoir pris conseil auprès de mon ami Zari, oui, on va dire, je vais pas parler de ça, mais donc, on va prendre Drusvar. Juste avant de partir, juste un truc, oui, vous l'avez peut-être vu dans le chat, évidemment, avec, voilà. Je fais partie d'une guilde à présent, en fait, avec Zari, on a créé une guilde qui s'appelle De la Horde, tout simplement. Donc, ça fait, en fait, je sais pas si... Faudrait que je montre mon pseudo interface pour vous montrer l'effet que ça rend. Affichage. Est-ce que je peux juste afficher mon nom? Normalement, je peux afficher mon nom. Voilà, nom, mon nom et ma guilde. Ça se force tout seul ou pas? Non, attendez, j'ai pas validé, je crois. Voilà, mon nom. Ok. Autre jeu. Voilà. Ce qui donne. Ok, d'accord. Donc, ce qui donne, en fait, voilà, notre nom est De la Horde, tout simplement. Voilà. Donc, MDG le Normand, De la Horde. Voilà. C'est pas trop mal. L'idée est pas trop mal. C'est Zari qui l'a eu. Hein. Je n'ai pas du tout été concerté sur le nom de la. Sur le nom de la guilde. Mince. D'appuyer sur OK à chaque fois, j'appuie sur échappe. Voilà. Voilà. Excusez-moi, hein, je t'avais dit de me parler sur Messenger, mais bon, résultat, bon.
Ok, donc il faudra faire attention à la moto quand on sera là-bas. Bon, voilà. Apparemment, il y a une quête plutôt cool avec une moto à faire à Drusvar. Donc, on va là-bas. Et donc, on va commencer la campagne de Kulzvar, mais apparemment donc ma couture je pourrais pas la Salutations, up. porte-parole de la Horde. Je pourrais pas la up tout de suite. Essayez de ne pas vous faire tuer. Ah ok. Ça a juste bugué un petit peu. Présentez-vous au prince. Ok. Hors de ma vue. Donc ok. Et donc là. Alors je vais zoomer un petit peu sur la carte. Visiblement, c'est par là. C'est en dessous, c'est ça? C'est dans le. Ouais, c'est là. Ok. Je ne suis avare que de mots. D'accord, ok. C'est un. Un gobelin. Bon, ben, c'est pas tout, mais j'ai un jeu de cartes qui m'attend, moi. Intrigue. On a fini. J'ai un massage des lobes qui m'attend. Ok, je vois le genre de perso. Alors, il faut que je parle. Tronka! Ok. Que voilà me reste à fouter. Donc. C'est qui? C'est lui, c'est ça? Parler à Vognille. Donc, je sais pas pourquoi il me marque. Je sais pas pourquoi j'ai un cercle. C'est quoi ça? Ah, ok. Ouais, ok, d'accord. C'est pour cette quête-là. Combien de temps? 1h44. Ok, d'accord. Bon, bah quand on aura, au prochain épisode, cette quête sera finie. Si on tourne pendant 2 heures. Donc ok. Et donc, on parle au capitaine. Parlez, moussaillon. Et on bouge. Et on n'est pas loin des îles brisées, en fait, mine de rien. Alors j'ai régulièrement ce genre de bug qui apparaît. Salutations. Au revoir. Ne faiblissez pas. Ok, alors il m'a dit d'attendre un petit peu parce que ça risquait de bug, mais j'ai pas l'air d'avoir de difficulté. Ou c'est peut-être on s'arrêtera et faudra. Ah, c'est moi qui le dirige. Ok, d'accord. C'est moi qui le dirige. Est-ce que je peux attaquer? Non. Bon, de toute façon, ici, c'est pas agressif, mais. J'essaye de lire, mais. Ok. Alors, je vais suivre l'autre joueur. Comme ça, je vais être.
Sent pas bon ça. Ah ok, non, c'est juste moi. C'est vrai, j'ai un add-on qui me permet de repérer plus facilement les... Eh zut! Ok d'accord. Donc c'est ça le bug en question. Je suis bloqué. Je peux même pas me tourner. Donc je vais l'avoir que d'autres résultats. Que j'invoque Alors là le souci c'est que je ne peux plus me déplacer. Donc déco reco. À tout de suite. Ok, donc on est de retour. C'est bon, tout est revenu à la normale. Je sais pas, apparemment faut redescendre. Ok. Il est là, ok. Là par contre on va. Hop. Voilà, ok. Là c'est bon, je peux bouger. Wow, 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 wow. Alors, ce n'est pas trop mal tiré. Ah d'accord, ok. En plus, c'était pas le bon truc, c'était juste pour une fleur que. Ok. Mince. Alors, on va par là, visiblement. Ok, là c'est bon. Faut que je vérifie, c'est je confonds entre les fleurs et le. Alors, ouais, je devrais éviter de faire ça. Ok. Excusez-moi, j'ai bien réactivé mon micro, hein, oui. On continue. Et Atric qui vient de nous faire une... comment dire? Okay.
une Finkielkraut. Oui. Taisez-vous. Bon. Au revoir. Que vos lames restent à foutre. Il y a un gobelin là, non, que j'ai vu. Ouais, il y a un gobelin là. J'avais pas vu, ok. Ok, ça continue. Attendez, excusez-moi, mais il est gentil, hein, mais voilà. Bon, là je lui envoie tout, hein. Elle a quasiment 200k. Elle a 264 vies, donc. Je lui envoie tout ce que j'ai dans les dents. Fossile. Tromka, ne faiblissez pas. Rien de tel que le présent pour faire fortune. Merci d'avoir fait bref. Ok, donc... Le temps, c'est de l'argent. Ça vous parle? Le cerveau ici, c'est moi. Ok. Donc, eh ben, on est reparti. Ah, j'avais pas vu, mais quand on saute, on la moto elle vromit. Alors je vous laisse lire les dialogues, hein. Moi je vous avouerai que je suis un petit peu la quête sans lire, et je lirai en fait au poste comment dire, en post prod. Par contre la musique est cool. Ah, World of Warcraft a toujours un très très gros effort sur... sur l'identité sonore. Ok. C'est ça la fameuse moto. Le temps, c'est de l'argent. Ça s'appelle du tact. Comment va? Ok. Yo! Ok, je crois que j'ai bug encore.
Ah, Redécoroco. Attendez, avant de Décoroco, je vais juste essayer. À une prochaine fois. Ouais, ok. Parlez-moi. Ok, voilà. Plaisir d'avoir pu vous aider. Juste un slash reload à... Ok. Il montait par là, hein, c'est ça? Ouais. Ça a l'air d'être ça. Ah ouais, ok. Il y a les mines d'azérite et tout. Enfin, les filons d'azérite. Alors, à ce que j'ai compris, l'azérite, en fait, c'est un minerai qui constitue la croûte inférieure de Azeroth, et qu'en fait, qui remonte à la surface à cause du coup de l'énorme lame qu'a planté Sargeras dans le sol au sud de Kalimdor. Oui. Au revoir. Venez vite! J'ai raté un truc. Là. Ok. Ah, ok, c'est de ça dont il parlait. Ok, d'accord. Je dois d'abord choisir. Ah, d'accord. Pourquoi tu avais un rat dans le truc? Ok, je... Super, ok, d'accord. Ça, c'est cool. Oh. Et donc, le dernier truc. Ah, ça a l'air d'être un portail. Ok, en grand, on a sorti un bâtiment, quoi. Ok. Je sais pas ce qu'il fait, lui. J'espère que vous êtes là pour faire affaire. Ok. Parlez-moi. Plaisir d'avoir pu vous aider. Cool, on a un nouveau sujet. Parlons affaires. Ok, on va recevoir des trucs. Ouh, attendez, est-ce qu'il y a moyen d'avoir des épaules qui valent le coup là-dedans? Ah ouais, mais non, il y a de l'azérite. Ah non, c'est on reçoit ça et tout ça. Oh putain, puis il y a des. D'accord. Puis il y a des épaulières qui sont mieux que ce que j'ai. Donc de toute façon, voilà, on aura ça. Et puis surtout, il y aura de l'azérite, quoi. Il y aura 250 points d'azérite en Cette plus. Cette petite discussion reste entre nous, Pigé.
capiche. Ok, alors juste par contre, je veux voir ce que c'est que ça. C'est un fly, mais c'est méga stylé. On part pas en fusée, j'espère. Rexy Fuse Boom. Ok, d'accord. Et à côté, c'est... Ok, il n'y a pas de nom. Ne faites pas perdre mon temps. D'accord, c'est une garde. Je vous ai déjà vu par ici. Vous allez... Oh si, on part en fusée. Ah là là, là c'est badass. Ah, c'est badass. Bon, on peut dire merci à Zari, hein, pour nous avoir conseillé de partir ici, en tout cas. Je sais pas ce que valent les autres trucs, mais... Et regardez ça, vas-y, eh. On l'a, notre miniature YouTube, là, non? J'ai resté comme ça, parce que, si ça se trouve, je vais pouvoir l'avoir en miniature YouTube. Sans avoir à faire un screen en post-production, ou... C'est classe. C'est méga classe. Ok. Par contre... Parlez-moi de vos voyages. C'est juste histoire d'être sûr que je l'avais, mais... Ouh, l'ambiance sonore, elle est prenante. Là. Enchanté. Vous avez besoin d'un bateau, d'envoyer un message, ou peut-être un coup de main pour poignarder quelqu'un. Quoi, on retourne à Azul ? J'ai pas bien suivi la quête. Mais c'est bon. Ok. Que la volonté du chef de guerre soit. Oh, oh là 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 là. Pour la dame noire. Alors surtout ça. Ah, oh, puis il y a de la zérite. Ah, purée, c'est cool. Attendez, ça. Ah, mais non, ça, c'est pas... Donc, non. Et la robe, bah non, c'est mort. J'ai mieux. Bon, pour les deux autres trucs, j'ai mieux. Mais par contre, et surtout, il y a des traits d'azérite là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bosseur et technique ont une chance de vous conférer un bonus de 325 en maîtrise et d'absorber 1786 points de dégâts pendant 10 secondes. Attaquer un membre de la faction opposée a plus de chances d'activer cet effet. Ok, cool. Donc ça en PVP c'est plutôt cool. Un éclat d'âme sur 2 généré par votre technique d'agonie vous confère aussi un bonus de 500 d'intelligence. Non. Hop. Marcheur augmente la vitesse de déplacement de 18% de la valeur de votre caractéristique secondaire la plus élevée. Putain, ça vaut le coup, ça. Jusqu'à un maximum de 5%. Ah. Ouais. On va voir ce qu'elle a. Lorsqu'aucun ennemi ne se trouve à moins de 12 mètres de vous, vous récupérez... Mais c'est craqué ? Ça, c'est craqué, ça. Évidemment, avec ça, je monte quasiment à 1000. Ok.
Les Andalari ne me portent guère dans leur cœur. Essayez de ne pas vous faire tuer. Ah, on peut... D'accord, on peut faire les trois campagnes d'affilée. D'accord, ok, je pensais qu'on en choisissait une et que c'était mort. Bah ok, bah dans ce cas, si on va faire les trois, bah on va faire les trois. Hein. Je tire au sort. Pouf pouf. Allez, ce sera chantourage. Salutations. Ne faiblissez pas, Tromka. Oh. Ok, d'accord. Ah putain, ça me coûte du... Ouais, mais non, mais ça me coûte... Non, 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 mais je peux pas. Que vos lames restent à fouter. Faut que j'économise et que je récupère des ressources de guerre. Bon. Je sais que je peux aller à la vallée de... Voilà. Mais on a d'autres petites quêtes à terminer avant. J'ai celle-là, notamment. Cliquez pour terminer. Zut. Ok. Hein? Salutations, porte-parole. Ah oui, parce que j'ai fait mon choix. Ok. Présentez-vous au seigneur de guerre. L'Octar. Force. Ok, et donc là, si je parle à l'amiral, je pars pour la vallée de machin, c'est ça? Qu'y a-t-il? Ok, puis je peux retourner à Drusvar quand je veux. Ok. Hors de ma vue. Donc ça, c'est cool. Mais avant, on va faire les trois. Hein. On va faire les trois. Mais j'avais d'autres... Alors, pour ça, j'ai utilisé la carte, par contre. Voilà. J'avais notamment le rapport royal à rendre. Et là-bas, j'ai une autre quête aussi à Mugambla. Alors, Mugambla, c'est une zone extrêmement importante dès que vous commencerez à faire du JCJ, enfin du PVP. Parce que c'est là-bas que vous récupérez notamment vos... Je vous explique. Voilà. Quand votre barre de conquête est pleine, vous récupérez une pièce d'armure. Et cette pièce d'armure-là, vous la récupérez à Gambala. Donc c'est une zone extrêmement importante pour up son équipement. Oh purée, puis j'ai pas vu ma vie, mais je suis passé à 179k. Ah, ça c'est bon. Ça c'est bon, ça c'est bon. J'approche des 204 de vie. Déjà en PVP, les... Alors, j'ai enregistré quelques BG au début, et puis après j'ai arrêté. Mais donc je sais pas si je vais les publier. Avec quelle loi avez-vous passé un marché? Mais au départ, je me faisais défoncer. Et là, maintenant que je suis beaucoup plus en armure, les... Et je tiens beaucoup plus longtemps, quoi. Parfois, les A2, ils ont vraiment du mal à me faire tomber. Bah après, bon, quand je tombe face à un E-level qui est 410, bon, voilà, je sais pas forcément le poids, c'est normal, mais...
je tiens le coup. Et je fais des dégâts. Et en PvE, alors là, je me balade. Honnêtement, je me balade. Ça y est, c'est reparti. Ok. Donc, la fameuse quête que j'ai à rendre. Ça a l'air d'être au saut royal, alors. Bon. Justice et aventure. Ouais, c'est au-dessus. Attendez, je regarde un truc, mais... Ouais, je sais pas si je les transmodifierai pas, par contre, les... Zut, les... Mes épaulières, parce que sont pas... Voilà, elles vont pas trop avec le reste. Ok, voilà. C'était juste pour ça, hein, c'était juste pour... Est-ce que vous pensez que je peux sauter d'ici, sur la terrasse inférieure? Ouah, 179, ça passe normalement. Hein. Ouais, ça passe. Oh, super! Ben, merci. Il y avait un druide juste en dessous qui m'a vu tomber et qui m'a heal. Ça, c'est cool. Oh, désolé pour le coup dans le micro. Mais... Oui, d'ailleurs, entre l'épisode précédent et celui-là, hein, j'ai changé de micro. D'ailleurs, si on n'a pas changé d'épisode... Hein, ouais, bah voilà. On est à la fin de l'épisode 74. Mais ouais, j'ai... Voilà. Alors, quête suivante. Vous arrivez juste à temps. Pour la horde. Que voulez-vous? Ok, bon. Et lui, évidemment, ce sont les... Voilà. Adieu. Ok, bon ben, retour au port. Je vais dézoomer histoire qu'on ait une vue sur le décor de Zuldalar que voilà je c'est pas la partie du jeu que je kiffe le plus honnêtement c'est pas l'extension que j'ai la plus kiffée hein. Battle for Azeroth oui j'oubliais de préciser tiens parce que je passe devant un de ces dinosaures là mon objectif aussi alors hors caméra parce que je pourrais absolument pas le faire en caméra là comme ça. Vous avez vu que j'ai économisé énormément d'argent alors que je pourrais l'utiliser pour m'acheter notamment de l'équipement. Voilà, c'est une probabilité. Est-ce que... Ouais, voilà, j'économise un peu de place. Sauf que il me faut 5 millions de pièces d'or. Pourquoi il me faut 5 millions? Vous voulez quoi? Pour avoir cette monture. Reine de Brotosaur de Caverne Puissant. Parce que... cette monture, elle a la particularité de, au même titre qu'en fait, pas de chance. Au même titre que la monture là, voilà, qui possède
un marchand et un réparateur. La monture qui est à 5 millions, elle possède un hôtel des ventes. Et il n'y a pas d'hôtel des ventes à Zuldalar. Et ça, c'est emmerdant de ne pas avoir d'hôtel des ventes à Zuldalar. Parce qu'en fait, on est obligé de remonter au sceau en haut pour pouvoir aller à Orgrimmar. Et à Orgrimmar, pouvoir aller à l'hôtel des ventes, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu embêtant. Tiens, d'ailleurs. Ah, ok, bon, je suis pas abîmé, donc c'est cool. À une prochaine fois. Merde. Non, attends. C'est ici. Eh, oh, tu me rends ça. Déjà, t'es sympa. Plaisir d'avoir pu vous aider. Ok, j'ai gagné un... Et donc oui, et donc on va continuer. Et donc voilà, donc mon objectif c'est d'avoir 5 millions de pièces d'or pour pouvoir avoir l'hôtel des ventes portatif. Parce que ça c'est top quoi. Bon, bah mission suivante. Ah, je passe pas. Ok. Ah ok, j'ai encore mon truc à bugger. Alors attendez, ça se répare facilement. Voilà. Ouais. Gardez. Alors, on est à combien? À 52, donc en fait, il y aura certainement une coupure là. Dans les quelques secondes là qui viennent. Et puis, bah, on fera cet épisode. Voilà, on va continuer sur cet épisode, enfin sur l'épisode suivant. Donc, moi, j'enregistre à la suite, donc je m'arrête pas. Postez-vous à un canon et tuez 40 soldats. Pour la horde. Ils sont où les canons? Ah, ils sont sous-sol. Ils sont sous-sol, c'est normal. On est sur un bateau. Les canons sont en cale. Facile. Désolé, je crois que j'ai donné un coup dans le micro. Ok. Ok, il y a... Oh mon dieu. J'ai beaucoup trop traîné sur internet pour savoir comment ça va finir, ça. Bon. Je vous souhaite la victoire. Chercher des survivants à la vigie de grand-mère. Ok, faut utiliser une corde. Ah, ok. Okay.
Eh ben. Mince. J'ai passé le. C'est là-bas. Ok, j'espère que lui il va pas m'aggro. Je vais quand même sortir mon marcheur au cas où. Cool, du lin. À bout de force, la créature vous observe brièvement avant de reporter son attention sur le harpon fiché dans son flanc. Ok. Oh putain. Voilà, ça c'est La triste. traque commence. Ça c'est triste. Il en va ainsi. Pour la horde. Là, je trouve pas ça cool par contre. Honnêtement.